Yolo les amis. Oui, je fais super bien le connard de youtubeur qui a 10 000 viewers et qui fait n'importe quoi parce qu'il a pris de la coke et qui commence à être habitué d'ailleurs. Ben, il en faut de plus en plus, hein. Il parle très très vite. Et en fait, non, c'est pas mon cas. Non, vous êtes bien sur le canal des Midlife Gamers. Oui, les vieux, c'est tranquille, quoi. Bon, ça n'empêche pas de dire d'énormes conneries, mais... On s'invente pas des vies comme eux, quoi. C'est plus sympa. Welcome, sur quoi on va? Faut pas que vous le disiez, alors, si je vous le dis. Non, mais vraiment, faut pas déconner. Vous le dites pas, je vous le dis. Alors, vous le dites pas, c'est écrit. Ah, purée, ça... À chaque fois, ça me fait le coup. Oh, le spoiler. Totally reliable delivery service. C'est quoi ce jeu? J'en sais rien, il paraît que c'est un bac à sable. Bon, ça je le sais. Il paraît que c'est un bac à sable où on doit livrer des trucs. Bah ça, vu le titre, on s'en doute un petit poil quand même. Et je quitte mon pull. Oh mon dieu. C'est super dur de quitter un pull. Oh, il revient au visage. Ah, le salaud. Est-ce que mon niveau de vodka est bon? Ouais. Bah oui, vous savez très bien, The Big Gamoski, toujours équipé pour avoir la santé et se désinfecter régulièrement, c'est important les gens. Hein. Pensez-y, moi, perso, c'est la vodka. On va aller donc dans ce... Comment je vais l'appeler? TRDS? Ouais, c'est mieux. TRDS, ça fait un petit peu maladie où tu dis des gros mots sans faire exprès, put. Et on va aller s'entraîner parce que je pense que d'ici pas longtemps, ça va restreamer. Mais ça va pas restreamer n'importe comment, ça va restreamer avec des complices. Oui, la team Betraf, tu m'entends la team Betraf? Tu te doutes que je m'entraîne en douce, hein? Quelle fourberie. Il y a un store. Alors, c'est quoi encore? C'est un free-to-play maintenant ou quoi? Parce qu'ils l'ont filé gratos. Alors oui, je l'ai pas dit. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais sur le Epic Store, TRDS est actuellement gratuit. Et ce, jusqu'au 8, il me semble, si je dis pas de dannerie. Donc, j'allais dire foncé, mais non, parce que vu la gueule du jeu, pff, allez-y, suffira. Et puis, récupérez-le. Et puis, comme moi, trouvez-vous une poignée d'amis avec lesquels vous allez festoyer autour de ce jeu qui m'a l'air parfaitement débile. On y va? Ça prend le stick? Ouais, super, parce que j'ai la flemme de me rappeler les touches clavier, ça ira mieux au stick. Local, yeah, gonna try local. Est-ce qu'on pourrait se basculer en French? Gotcha. Yeah, fuck, yeah. Regardez-moi la définition HD. Alors les gens qui ont un écran 4K, vraiment, ils doivent bonder. Cette définition HD avec cette texture, le grain, oh, on pourrait se frotter dedans et faire... Je le fais bien. Oui, c'est Mawan qui m'a appris. Et c'est un peu un plaisir d'aller dans les jeux, le joco de français. Mieux. Il y avait quoi après? Il y a d'assist... Traorik. Oui, c'est toujours Traorik de parler en allemand. Parce que ça fait beaucoup de mots en plus par rapport au français, on est surpris. On se disait, on est les seuls à avoir une langue d'enfoiré où il y a autant de mots. Ben non, il y a les japonais bien entendu. Mais il y a aussi les allemands en Europe qui sont très très forts. Et c'est une très jolie langue, même si elle sonne un peu bizarre pour nous. C'est nos origines latines, ça. Graphics, est-ce que je reste là-dedans? On est en 720p pour le stream. Moi, est-ce qu'il m'a foutu en QHD? Quoique, vu les géométries affichées, je pense que je peux le laisser en QHD. Ça risque pas de ramer. Supprimer la sauvegarde. J'ai rien commencé, dude. Retour, ça je comprends. Local, yeah. Let's go for a local play, dude. Eh ben, je vais jouer avec plein d'amis qui ne sont pas là. C'est-à-dire moi. Je suis prêt. Bon, les autres, je vous attends pas, hein, j'y vais, tant pis pour vous, bande de cons. Conseil de livraison, parfois les habitants vous donnent des informations très utiles. Se battre, carte du monde, faut tout que je retienne déjà. Pourquoi je parle très vite? Parce que je vous expliquerai après. Se battre, lever les bras, j'ai pas tout lu, putain. C'est un tuto? Ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche! On dirait que ce jeu a été... Pourquoi ça n'arrive pas à sortir aujourd'hui? C'est peut-être le coronavirus, allez savoir. Oui, on dirait que ce jeu a été quand même fait à la pioche, quoi. C'est Minecraft Plus, on va dire.
J'ai pas envie d'exprimer de sentiments nuls. Hey, regarde, je suis Joy. Je suis colère, mais je fais le même mouvement. Putain, je sens que ce jeu va me plaire, ça va être trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tuto! Oui, qu'est-ce qui se passe? Yeah! Je vais pousser le joystick sur cette manette, ne t'inquiète pas. Oh purée, les commandes sont inversées. Pas grave. Bah ouais, mais comment je ramasse ton truc, dude? Ouh, il y a un petit côté Octodad, dites-moi. Attends, je le livre là, moi, c'est bon. Véa. Alors oui, je m'entraîne en douce parce qu'avec la team Betrave, bah, on va vous faire voir en multi. Je pense que ce sera beaucoup plus rigolo que tout seul. Ceci dit, vu que je suis fourbe, lâche et injuste, bah je vais m'entraîner en douce. Dude, t'attrapes le stick ou il faut que je te... Oui, il y a vraiment un côté Octodad. Hein. On y go, where's the next, biatch? I don't know. Pourquoi je parle en anglais? Parce que je vais dire des tas de saloperies, vous le savez très bien. Livrer la cabine de sécurité. Moi, je vais aller me balader. Hein. Oh, je cours. Je cours tel un dé raté. Un dé, un rat, un dé. Ah, c'est magnifique. Bon, je l'ai déjà fait celle-là, on va aller se balader en ville. Shazam. J'ai failli me faire happer le bras. Bon, on fait quoi ensuite, dude? Y'a personne avec un point d'exclamation qui me dit quoi faire? Si, toi là-bas, on va aller voir. Ouais. J'ai déjà fait, tu vas pas me faire faire ça en boucle toute ma vie. Ah, bah voilà, dude. C'est assez approximatif quand même. Mais ça là-dedans. Comment ça, fallait pas le... Tes fucking commandes sont inversées, dude. Oh, je te hais. À part faire des saluts qui rappellent de tristes moments de l'histoire, t'arrives à faire autre chose, gars? Ce serait bien. Ouh, gougou, gougou, gougou. Montre-moi ça là-dedans. Je veux absolument ce véhicule. Yeah! And now. On va conduire, les gars. C'est pénible. Ah, papa! Un pirate, c'est bon. Là, il se barra pas. Là, je suis sûr de mon coup. Attrape-moi cette manette, cette caméra inversée m'exaspère. Comment ça, j'allais dire autre chose? Bah oui, ah, je vais faire l'amour avec ce colis. Ah oui, ah, bouge pas le colis. Attends, j'essaie juste d'attraper la manette. Igor, la manette. Espèce de... Là on est bien, calés l'un contre l'autre. On croirait un couple à une soirée BDSM. Comment ça? Le taux de conneries, non, ne va pas baisser aujourd'hui, je vous le garantis. Allons-y doucement. Oh, je vais avoir une super avance pour demain. Alors, ça se conduit avec le stick droit étrangement. Et je suis tout perturbé de cette conduite qui est absolument... Oh, improbable. Tutut. Je conduis. Alors je vous garantis que je conduis pas comme ça dans la vraie vie. Go. Ah oui non, la conduite sur... la conduite sur stick droit, c'est quand même bizarre. Mon collier, mon collier. Putain, j'ai une heure pour livrer quoi. Sinon après je me prends un PV parce que je suis pas resté confiné. Ça va être le bordel, moi je vous le dis.
On n'est pas rendu. Je ne sais pas comment il va se passer ce multi, mais ça sera que mal. Jette-moi ça là-dedans. Frag. Ougle. Hop, reste dedans, toi. Doucement, tu accélères doucement avec tendresse, regarde. Alors, monsieur K, as-tu pété les câbles? Oui, un petit peu, bah, je suis confiné comme vous, les amis, donc... il se trouve que ça me tape un peu sur le système. Mais ceci dit, c'est ma phrase magique pour meubler à chaque fois, et faire un raccord. Il se trouve que je suis un hikikomori, donc je suis super entraîné, et le problème que j'ai, c'est que j'ai énormément de jeux à tester en ce moment. Et du coup, je ne vois pas le temps passer, vraiment, sans déconner. Alors, je vous rassure, j'ai pas que des bons jeux. J'ai même surtout des mauvais jeux, je crois. Je suis rentré dans quoi? You are footing my... Attends, man. Si, c'est bon, on va le poser là. Je crois que c'est mon client. Pom 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 pom. Hey! Oh, ce jeu m'a l'air d'une connerie assez efficace pour qu'il soit drôle en multi, vraiment. Parce que c'est vrai que solo, je pense qu'on doit vraiment s'emmerder. Oh, je l'ai dit. Mais là-dedans. In the box. Non, pas moi! But why? Tell me why. Mais non! Ploup. Mais je me suis fait enfermer. Allô, Houston? Houston? I'm trapped, I'm here, I'm in the box. Oh yeah, here, motherfucker. Il y a une autre livraison ou ça? Oh, regardez-moi ça, une livraison là-bas. Je vais y aller à pied parce que c'est moins dangereux qu'avec un véhicule. J'étais en train de vous dire quoi? Ah oui! Donc j'étais en train de vous dire que bah, j'ai pas le temps de m'ennuyer en ce moment. Avec ces nombreux jeux à tester, et les streams en attesteront eux aussi, hein. Avec beaucoup de chroniques qui vont vous être présentées, puisque je me suis engagé pendant toute la période de confinement, et je me demande si c'est pas une grosse erreur que j'ai fait, à vous faire un stream par jour, pour chaque jour ouvrable de la semaine, soit 5 5 streams a week. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'émissions qui ont été préparées, puisque vous n'êtes pas sans savoir que... Je vais faire de l'hélico. Oh ouais. Oh ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une collection de shmup à présenter aux gens qui est assez monstrueuse. Comment je peux attacher ça, mon hélico? Dude. Ah, mais le temps. Putain, mais arrête d'être con, s'il te plaît. Oh, t'es bidon, t'es bidon. On a un hélico, tu t'en sers pas, je te hais. Et si je le mets juste comme ça, et... bon, je vais juste faire un tour d'hélico parce que ça me fait plaisir. Il marche pas ton hélico. Il est pourri. Putain, aussi il marche. Ah, au firmament, maman. Je vais me prendre un râteau. Alors, ça c'est la vitesse. Remets la vitesse. Remets la vitesse. Dude. On va voir un... Problème. On va pas y aller en hélico, les amis, je vous le dis. Et donc, je vous disais... oui, bah, c'est dur de multitasker quand on essaie d'apprendre un jeu en même temps qu'on raconte des conneries scriptées ou improvisées aux gens. C'est vous, les gens. Hein. Et du coup, oui, j'ai beaucoup de... beaucoup d'émissions qui sont pré-enregistrées. Pour votre plus grand bonheur, oui... Il n'y a pas un moyen d'attacher ces trucs dans les... Danger. Reste là, espèce de... Crétin. Et notamment, bah, la collection de shmup que je suis en train de présenter, il y a déjà plus de 420 streams qui ont été diffusés. Bah, fin cool. Hein. Et mine de rien, il y a encore 150 émissions qui sont en stock. Tu bouges plus, toi. Sinon, ça va pas terrible se passer pour toi, je te le dis. En fait, les manettes, selon la main qui tripote, c'est celle qui va... Mais pourquoi tant de haine? C'est selon celle qui tripote qu'on a la direction attribuée dessus, ok.
Ce jeu va être fatigant pour les nerfs. Je pense que, en plus des rires, il va y avoir des gens qui vont jeter des manettes de quand on fera le multi, j'allais dire demain. Non, je ne suis pas pressé de le faire ce multi, mais. Si, quand même. C'est la team Betrave, quoi. Ils sont rigolos. Alors, dans la team Betrave, on a qui? On a Deline, entre autres. On a Chaos, le méchant Chaos. C'est un vieux, c'est pas grave, mais bon, on l'aime bien. Comment ça, je suis plus vieux que lui? Non, pas du tout. C'est dans la tête, hein, je vous rappelle qu'on est vieux. Putain, tu me fais tu me fais shawarma, toi. Tu bouges plus, le bidon. T'es bidon, tu bouges pas. Hop là. Et donc, il faudrait que je passe devant le bidon, ce serait idéal. Bidon, bidon, laisse-moi conduire. Ou alors tu te conduis tout seul, man. Là, je suis bien, je gère, je gère. Non, pas ça, ça. Y aura qui d'autre? Bah, je sais pas qui va y avoir d'autre. Il y aura peut-être des surprises. Est-ce qu'on arriverait à faire bouger Madame Kissa? Ah, ça va être difficile en ce moment parce qu'elle a plein d'autres choses à faire. Est-ce qu'on arriverait à faire bouger Mademoiselle Poulpita? Pourquoi pas? Est-ce qu'on arriverait à faire bouger l'admin team de la team Betraf? C'est fort probable. En tout cas, ne leur dites pas que je me suis entraîné au jeu. Hein, c'est top secret, je compte sur vous. C'est super important. Parce qu'il va m'arriver des bricoles sinon. Bouge pas le pont. Et donc pour revenir à ce que je disais à la source, oui, je me suis engagé à faire à diffuser une émission par jour sur les 5 jours ouvrables de la semaine. Et mine de rien, c'est pas mal de choses. Heureusement, j'ai plein d'émissions d'avance. J'ai beaucoup de chroniques shmup qui sont déjà prêtes. Comment je fais pour aller là-haut, moi, dude? Reste dans la voiture, toi. Putain, que t'es kick. Que t'es kick. Que t'es kick. Bah là, il bougera pas. J'ai pas trop vu où il faut l'emmener, le truc. Il y aura des nouveautés encore en chronique. Je vous conseille de regarder lundi prochain, enfin le lundi qui arrive. Ça doit être là-haut. Hein. Le lundi qui arrive, puisqu'il y aura un shmup qui est assez rigolo, qui est plutôt original, puisque c'est un des rares jeux. Oh purée, mais rien que monter ça là-haut, c'est un cauchemar. Je comprends mieux pourquoi il y avait l'hélico, les gars. Oh, te coince pas dans le décor, man, c'est pas fait pour. Un shmup assez rigolo qui s'appelle le Project Starship X. Et ce Project Starship X, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que le vaisseau du joueur peut drifter. C'est assez étrange. Putain, rien que monter un escalier avec lui, c'est un calvaire. C'est peut-être son bide. Et du coup, ça renouvelle totalement le gameplay, qui est totalement barré, puisque les tableaux sont générés semi... par où je vais, moi? En fait, il fallait que j'aille là-haut, quoi. C'est pour ça que je suis... On va passer par là, hein. Je vais me casser la gueule, je sens. Je visite, hein. Ça me le compte pas, là. Et là. Et là. Et là, et là. Voilà. Ratez pas non plus le stream du 13, le lundi 13. Parce que le lundi 13 vient là le tonneau. Le lundi 13, je vous montre un jeu qui est assez monstrueux, qui est en preview. Qui est pas encore terminé. Qui s'appelle Bright Memory. C'est un espèce de FPS. Assez barré. Très agité. Et si je devais le résumer en une phrase, bah imaginez, c'est un gars qui s'est dit, je vais faire un jeu, un FPS bien barré, où en fait c'est comme une sorte de Devil May Cry, mais en vue à la première personne. Je ne déconne même pas, les gars. Et quand vous allez voir ça, vous allez faire, Monsieur K, d'où sors-tu ça? Et vous allez avoir envie, je pense, si vous aimez ce genre de jeu. Parce que franchement, sur la pré-version que je vous montrerai, je me suis déjà beaucoup amusé. Et je pense qu'il n'en faudra pas beaucoup plus. On va faire un tout avion, ça m'a gonflé. Ça attendra la livraison. C'est quoi cette affiche? La vache de Castor. Et du coup, oui, l'émission du 13, elle sera assez géniale. Autre émission notable dans toutes celles qu'il y aura dans TBG, il y aura également... le lundi suivant, donc ce sera le 20, je présume, un jeu qui s'appelle The Unholy Society. Alors c'est une espèce de jeu d'aventure avec un peu d'action, et les phases d'action, en fait, elles sont inspirées des séquences tour par tour qu'on retrouve dans notamment le bâton de la vérité.
Et du coup, ça mélange une aventure qui est aux limites de Constantine, oui, le film avec Keanu Reeves, et qui... Je vous laisse la surprise parce que c'est assez particulier et vous allez quand même pas mal délirer, je présume. Je vais faire le ballon rouge, c'est parti. Ça c'est pour avancer, ça c'est pour lever, ok, c'est parti. Vampire pour le colis, je m'en fous. Ich bin der Baron Rouge. Ah mais faut avancer, c'est très très... C'est pas évident du tout à contrôler ces engins. Et du coup ça va vous faire quand même bien délirer. Donc The Unholy Society, ce sera normalement lundi 20 je pense. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui va arriver. Je vous le dis direct. Ah, remets du cap. Ah, avance. Je vais y arriver, j'emmène ces deux sapins avec moi et on se retrouve très bientôt. Comment ça, j'ai aucune crédibilité. Mais si les gars, oh, on va peut-être prendre un véhicule plus sympa, parce que là, je suis sur un véhicule bisilière, on va dire. Comment ça, c'est pas drôle. On est le 1er avril, je m'en fous, je fais ce que je veux. Je vais prendre un colis, tiens. Give me a colis. Je te donne pas de colis tant que t'as pas livré le précédent. Bon bah du coup ça va me laisser du temps pour vous expliquer encore tout ce que je vais vous montrer. Les semaines elles seront remplies notamment de beaucoup de shmup du coup. Bah, je peux pas mourir en sautant. Je suis en caoutchouc. Quoi? Oh c'est un petit mal de tête, ça va passer. Blotch. Ah bah Daboué, lève-toi. Et du coup, dans la semaine, il y aura beaucoup de shmup, notamment un qui va être dans la semaine, il y aura la semaine du 13, je crois, qui s'appelle Batutotsuki Jutai, ou un truc dans le genre, et qui est juste improbable. Je vous recommande chaudement de le regarder, parce que vous allez pas le croire, en fait, ce qui arrive. Vous allez faire « Non !» Et moi, je vais continuer de jouer dedans, et vous ferai encore « Non !» En fait, je me suis pas entraîné aujourd'hui sur ce jeu, j'ai surtout fait bande-annonce pour les émissions de TBG sur YouTube. Ce qui est pas plus bête, hein, d'ailleurs. On va faire un coup de carte. Non, pas des cartes à jouer, des cartes à rouler. Dieu de power. Oh, gros. Ok. Je peux pas te saisir. Bon, ce jeu... me gonfle en solo. Je vais faire une simulation d'un acte totalement répréhensible quand la personne n'est pas vraiment consentante. J'ai fait un de ces sauts. Et on se retrouve très bientôt. Là, je vais mettre le symbole 18+. Je vais faire 2-3 trucs, je vais couper. Et je vous laisse imaginer la suite. En tout cas, rendez-vous sur la chaîne YouTube tous les jours à 19h. Je vous garantis que je vais vous fournir en matière nouvelle et ça va être assez génial. Prenez soin de vous, restez bien enfermés, ne sortez que si nécessaire ou si en sécurité. Oui, les masques, c'est pas pour les chiens, on les attend toujours. Ça se paiera, hein, de toute façon, à la fin. Tous ces enfoirés qui sont foutus notre gueule, et qu'on appelle des élus et autres notables. Il y aura des factures à payer, et ça sera pas uniquement le rattrapage de leur économie. Comment ça, j'en profite pour régler mes comptes? Totalement, les amis. On va se laisser un joli paysage. Allez. Des bisous, même si on n'a pas le droit. Et à tout bientôt. Ciao.